Salut les mecs, salut les bolos qui jouent encore à la Mega Drive en 2021 et qui plus est à des jeux modernes, des jeux récents. Aujourd'hui, je vais découvrir en ta compagnie Tanzer. Voilà que... Alors je possède pas, mais voilà, quelqu'un, on m'a filé la ROM pour que je l'essaye. Je dis bon bah allez c'est parti, pourquoi pas faire sans vidéo. Alors je l'ai testé vite fait pour voir si ça marche. On va faire un petit tour dans les options. Bon, ça a l'air d'être classique là. Contrôleur, slash, jump spécial, ok. Performance, là. Weather effect, extra bon. On va laisser tel que c'est. Alors, AD 1872. Ah ouais, ça se passe aux States a priori. Alors, est-ce qu'on peut avancer? Ok. Alors. Donc, le A, j'attaque. Le B, je saute. Bon, le spécial, on verra. Ah d'accord, on a un double saut. Ça, c'est vachement nerveux, hein. À ramasser là, c'est vachement jouable, hein. Putain, ça répond bien. Graphiquement, c'est peut-être un peu pauvre. Oh, les décors de fond, ouais, tu sens que c'est un jeu qui est. Tu sens que c'est un jeu qui est basé sur le gameplay là. Ouais, tu vois, j'y vais. On va doucement. Je sais pas si en faisant le. Ouais voilà, ça, donc ok. Le double saut, tu vois, il fait une espèce de slash. Ah, ça attaque de loin quand même. Ah, musicalement c'est propre. Ah tu vois là, si je parle pas, si je dis pas grand chose, c'est que c'est bon signe là, c'est que le jeu. Jeu une captive, tu vois. Alors. Ok, tac. Ah oui, d'accord. Celui en bas, il était déjà niqué, a priori. Alors. Je vais voir si je tape le... Ah, on choix de chemin, là. Ok. Allez, on va continuer tout droit. Stage clear. Jump. Ok. Ah c'est bien ça, espèce de petit magasin, give you the power of stone transformation. A priori je peux l'acheter. Bon allez, on va acheter ça, on verra ce que ça donne. Ah le fait, petit magasin c'est bien ça. J'adhère au concept, alors faut voir le slash. D'accord. Alors attends, il y a une barre qui se charge là-haut là. D'accord. Donc a priori voilà, ça me permet de faire l'attaque de terre en fait. Ouais, musicalement c'est... Moi j'aime bien, hein, mais c'est spécial. Hein. Les bruitages, ça fait le... Ça fait le job, là. Moi j'y joue au stick, hein. C'est cool, c'est agréable. En tout cas, j'aime bien, ça me plaît bien. J'ai l'impression à chaud, là, c'est... Il y a un bon feeling, tu vois. Alors après, ouais, c'est vrai que graphiquement, c'est peut-être... Peut-être un peu pauvre. Enfin, du moins au niveau décor, parce que le personnage... Personnage, je trouve que ça va quoi. Ok, ouais, donc on a les points de vie là en haut, je pense. Je me suis pas fait toucher encore. Je sais pas trop si le jeu est considéré comme facile ou difficile. A priori, à entendre parler Ivan Kaiser et les potes là, c'est pas un jeu qui est simple apparemment. Bon, pour le moment, ça a l'air de. Pas trop mal géré là. On avance doucement. Ah oui d'accord, là je me suis fait toucher. D'accord. Ah
attaque de terre là qui est bien utile. On y va tranquille, hein. Voilà, ok. Putain, le boss bizarre, quoi, le mec pendu avec le... avec le gosse dedans, là. Ok. Bon, bah écoute, hein... ça se passe pas trop mal pour le moment, j'ai envie de dire. Bon, là, a priori, j'ai pas assez de pognon pour... Sum of your end. Ah ouais, d'accord. Ouais, pour acheter l'énergie. Power of fire, hein, machin, ok. Safe state. Ah ouais, d'accord. Ok. Ok. D'accord, donc le... on peut acheter une safe state dans les... dans le magasin, ok. Alors, du coup, je sais pas comment ça marche, si on a qu'une vie ou plusieurs vies. Je sais pas, 2-3 vies pour un crédit, par exemple, je sais rien. Voyez doucement. Ouais, c'est hyper jouable, hein, putain, c'est de ce côté-là, franchement, là, au stick... au stick, c'est nickel. T'as les ennemis, ça se recycle, hein. Cowboy qui perd la tête, là. Ouais, graphiquement, c'est pour le moment, c'est identique. Ça se joue bien, là. Hein. C'est vrai que, ouais, niveau décor, c'est un peu vide, hein. Ouais, y a un bon parallaxe derrière, mais... je sais pas s'il y a d'autres décors que celui-là. Frapper en bas là, non, diagonale, ok. Ah, tu vois, en gros, en fait, c'est un jeu qui t'invite à aller vite, mais en fait, faut pas, quoi. Tu vois, faut prendre son temps. Le jeu est pas chronométré. Puis, enfin, ouais, moi, niveau gameplay, j'aime bien. Ça me rappelle, on dirait un peu du Hagané, mais en. Ah cool. Un petit, une petite capsule de vie. Ouais, on dirait du Hagané, mais en plus nerveux. Putain, là, j'ai esquivé, je sais pas comment là. Oh, c'est chaud là. Oh putain. Oh, comment je l'ai géré là. Ouais, tu vois, c'est observation, maîtrise du gameplay. Alors, level up, sum of your energy, ok. Grant the power, star projectile, ok. Dommage, il manque pas grand chose pour l'avoir, ça. Water, glace. Bon, je vais juste me prendre, voilà ça, puis je vais essayer d'économiser 500, là, pour pouvoir sauvegarder, là. Imagine, on pète le jeu à la... premier run, ça m'étonnerait, voilà. Ok, alors là par contre il y a une barre de vie, donc ça serait le véritable premier boss. C'est le chat là. Alors on sait pas quand il va tirer. Alors là ouais, j'ai fait le... l'attaque de pierre quand j'étais en l'air, ça m'a fait popper. Bah, mais non. Un petit attaque. Ouais, c'est un peu random. Hein. Ok, je l'ai eu. Level clear. Ah d'accord, donc ça c'était le premier niveau quoi. Alors... ah d'accord, a priori on va changer de décor là. Bon allez, on va prendre ça. Totalement au pif. Alors j'ai pas gagné d'autres trucs. Bah tant pis, hein, je vais reprendre de la vie. Ouais du coup putain, ça va être compliqué. Ah ouais d'accord, on voyage dans le temps là. Ça va être compliqué de... d'évoluer. The time itself, die, warp, hein, ok. La musique c'est la même. Ah merde. Ok, on va avancer prudemment. En tout cas le slash avec le pied là, ça c'est le bienvenu ça.
est déjà mort lui. Ok, dac. Oh, sa mère. Pour le moment, je crois qu'on s'en sort pas. On s'en sort pas si mal, hein. Ah merde! Putain, mais elle est safe là encore un coup, je suis mort. Ok. Prendre le temps de bien observer là. Qu'est-ce qu'il y a là ici? Oh là là, enculé! Ah, tu vois, je pense que ça c'est clairement, ça se pète pas ce truc là. C'est un jeu à jouer au stick, tu vois, c'est plus réactif. Alors, c'est pas chronométré là. Je sais pas si je peux sauter par dessus si je me fais toucher. Putain, c'était chaud là. C'est bizarre cette boule. Les patterns des ennemis ont l'air de se répéter un peu. On va pas avancer trop vite, c'est pas un truc là. Ah oui d'accord, il y a un troisième saut là. Ah ouais. D'accord. Ok. Ouais, c'est bien, du coup ça fait une attaque complète. C'est nerveux hein. Ouais, graphiquement c'est. Ouais, c'est un peu pauvre quand même, hein. C'est dommage. Ah merde. Bon bah ok, peut-être j'aurais dû rester devant. Game over. Ok, d'accord. Alors, du coup on reprend au début. Bon allez, on va tenter une autre petite run. Du coup le chemin du début je vais prendre en bas, on verra ce que ça donne. Bah j'aime bien, j'accroche bien le... C'est vrai que c'est peut-être un peu pauvre graphiquement, mais en tout cas le gameplay est vachement solide hein. Ouais putain, puis faut absolument que j'achète cette magie de terre hein, parce que tu vois pour le boss là, le espèce de tête de mort, ça m'a été bien utile. Ouais donc c'est vraiment du jeu. Là c'est un jeu, faut camper dessus. Là c'est un jeu, faut connaître par cœur, faut bien maîtriser pour acheter, bien économiser le fric là pour acheter le. Le bah du coup le, l'espèce de safe state hein, voilà pour pouvoir progresser je pense. Alors, est-ce qu'on essaye cette boule bizarre ça, ça fera bien quelque chose ça. D'accord, ok tac. Ok, dac. Bon bah du coup, on va les prendre en bas là. En haut, y a rien, non. Allez, on va prendre en bas. Stage clear. Ok. Jump, 8000. Alors. Ah bah vas-y, on va acheter le attaque de feu. Allez, comme ça, on va voir. On va voir la différence. Ah ouais, sympa. Enfin, donc ça recharge là. D'accord, donc a priori, je peux le faire. Il y avait un truc là. Je peux le faire de manière limitée. Ça c'est bien ça, le choix de chemin tu vois. Ça permet de varier un peu. Même si du coup les ennemis ont l'air d'être à peu près identiques. Ouais, c'est vraiment un jeu de gameplay hein. Ouais putain les phases en... D'accord, on n'est pas obligé de rester sur le wagon. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on va essayer de buter un max d'ennemis, récupérer un max de gemmes là. Ouais, musicalement c'est conceptuel hein. Alors. Ok. Ok, putain, heureusement j'ai slashé en bas. Putain, j'ai reniflé le coup de pute, j'ai dit il y aura forcément un mec vers le bas.
Ah, et ces boules, c'est bizarre, ça doit faire quelque chose. Merde, putain de missile. D'accord, je vais essayer de me servir voilà, de l'attaque de feu pour me couvrir là. Ouais, voilà. Très utile. Bon, j'ai perdu un point de vie, malheureusement. Est-ce que je vais pouvoir m'en racheter un là? Ouais, short. Bon, allez, vas-y. Tant pis pour le safe state. Ouais, putain, avant d'avoir le safe state, va falloir se lever de bonheur quand même. Hein. Bon, en tout cas, c'est bien, ça a permis de voir l'autre phase. L'autre phase du niveau. L'attaque sautée, ça c'est. Franchement, ça. Franchement, c'est du bon ça. Ouais, non, mais la magie, faut clairement pas sous-estimer. Hein. Tu vois, ça déblaye les boules ennemies là. Ça recharge de manière illimitée. Ouais, tu vois, ça fait vachement mal. Merde, je l'ai pas eu lui. Peut-être que ça. Non, on va l'ouvrir à coup de magie ce truc là. Et ils vont vite ces enfoirés là. Ouais, c'est clairement. Merde, j'ai voulu faire un double saut, ça l'a pas fait. C'est clairement du die and retry. Hein. Merde, je me suis touché là. Ouais, c'est peut-être pas. C'est peut-être pas pour tout public ce jeu. Hein. C'est assez hardcore, mine de rien. Enfin. Ah, ok, ça, c'est le bienvenu. Il a pris cher là. Oh la vache. Ouais, tu vois là. Faut bien doser. Faut bien doser les sauts là. Passer entre les boules. C'est vrai que c'est par contre là le gameplay c'est vraiment propre. Hein. Putain, c'est. Ça réagit vraiment au doigt et à l'œil. Hein. Allez. Est-ce qu'on va réussir à aller plus loin? Merde. Ouais, alors le problème c'est que. Voilà, on sait pas quand il va tirer en fait. Voilà, tu vois, j'ai essayé de m'anticiper là. Bon là, heureusement j'ai le troisième saut. Ça, je le touche, je suis large là. Je l'ai retiré, voilà. Je l'ai reniflé. Je sais pas si. Non, l'attaque de feu, on dirait que ça le. On dirait que ça le touche pas. Je vais pas prendre des rubis. Voilà. Ouais, j'ai réussi à en prendre un là. On va laisser faire alors là. Patient. Ouais, je me touche. Ouais, j'ai risqué un peu là. J'ai pris un peu de risque, mais bon, c'est passé. Ah bah tu vois les diamants ils disparaissent pas. Level clear. Ok. Bah du coup regarde, allez. On va prendre l'autre. Ouais. Il manque deux pour essayer la magie d'eau là. Bon allez, je vais reprendre de la vie. Hein. Grand use the power of star projectile. Putain mais ça doit être sympa ça. Power glass 1. Hein. Okay. Bon. 45 BC. Ok. Le scénar, je sais pas trop de quoi ça raconte. Ouais, pareil, là, c'est un peu vide. Hein. Ouais, c'est bon. Un deuxième. Ok. Voilà, là, tu vois, s'il y a pas les espèces d'ennemis au sol, comme j'ai vu dans l'autre niveau. Ça tire en diagonale, tu vois, ça tire pas
précisément en haut ou en bas, tu vois. C'est diagonale haut ou diagonale bas. Non mais il y a un truc à faire avec ces boules. Voilà. Il faut que je réessaye de refaire la magie en l'air là. Ah ouais, donc, tu vois ça. Il manque clairement une animation là. Merde ! Je me suis baisé là. Le bonhomme il se plaque au sol. Ah, par contre le décor au premier plan ça c'est sympa. Ouais donc faut faire gaffe aux colonnes là-haut. Je pense que le jeu, ouais, tu vois, le jeu quand tu le connais bien. Il n'y a pas trop de problèmes majeurs, enfin du moins de ce que je vois là. Bah, faut prendre son temps. Hein. Bah, s'il fait que ça, ça va le faire. Faut être patient. Ok, la magie, ça fait rien là. Ouais, tu vois. Patience et observation pour les patterns. Ok. Ah, c'est trash quand même. C'est assez gore. Hein. Ok. Bon bah on va se racheter une capsule d'énergie. Hein. C'est de rester... Parce que mine de rien je me fais pas trop toucher quand même. Donc on va essayer de continuer à jouer safe et puis de... Peut-être de pas se faire toucher, d'économiser le fric. Ah merde! Putain, je l'ai pas vu lui là-haut, j'ai eu du bol. Espèce de pierre là, qui tombe dessus là. Ah, tranquille hein. Y'a pas de. Tu vois, bizarrement, y'a pas de phase de plateforme où. C'est vraiment linéaire. Ah merde! Je l'ai pas vu lui. Merde, d'accord. Bon allez, vas-y. Tu te fais toucher dans ce jeu, c'est vraiment le drame, hein, putain. Heureusement qu'on a plusieurs points de vie. Mais non, je me suis pas fait toucher, là. Putain, ils étaient speed. J'observe bien les colonnes, là. Allez. Ah mais c'est un sac à PV lui. Ah c'est le premier boss, c'est pas possible. Ouais si si c'est le boss. Faut être tranquille. Ouais, faut être gourmand. Chaud. Ouais. Oh la vache. Bon. Stage clear. Pareil, je me suis fait toucher qu'une fois. On s'en sort pas si mal. 110, pile le prix du... De... Une capsule d'énergie. Alors, on va essayer d'être vigilant, là. Voilà, pour buter ces espèces de robots, là. Tiens, là-haut. Alors, là, je l'ai repéré, du coup. J'ai les yeux rivés en l'air, maintenant. Tranquille. Bon alors. Ok. Rien de spécial là. Ok, heureusement il était pas très résistant lui. Alors, non, ici ça passe pas, on va compléter le coffre. Attends. Non, non, ok, bon. Y a pas un autre passage là. A priori non. C'est bizarre ça. Ouais, parce que vu qu'on peut pas. Ouais. Vu qu'on peut pas reculer. Ouais. Bizarre. Ok.
mais c'est bon. Le petit, petit ennemi de merde en haut là qui a failli m'emmerder là. Heureusement, l'étage il m'a protégé. Ouais, bah là pareil. Hein. Merde, hop. Le feu, ça fait rien. Oh, c'est chaud là. Non, je vais toucher là. Hyper exigeant. Ouais, tu vois, c'est une endurance. En tout cas, la fin là. Ah, c'est le ouais, la boule qui... putain, j'ai du bol, la boule qui tire tout seul qui est vraiment random quoi. Ah, puis là la magie qui servait à rien. Ouais, la magie de terre, elle serait passée, elle. Ok. Oh, attends, il n'y a plus de... Il n'y a plus de sol ou quoi, là ? Je vais toucher. Ah, c'était chaud là. Bon bah écoute hein, deuxième boss, enfin boss du deuxième niveau, je pense que pour une run découverte, c'est pas si mal. Ah bah moi ça me plaît bien. Moi ça me plaît bien malgré que la réalisation, ouais, niveau graphique c'est un petit peu faiblard. Mais voilà, moi je suis un homme de gameplay et là le gameplay il est vraiment convaincant je trouve. Bon bah les gars, si tu connaissais pas ce petit Tanzer, bah du coup je sais pas où ça s'achète, vu que c'est de l'ombre. Je sais pas, enfin pour ceux qui savent, mettez ça en com. Moi du coup ouais, je pense que va falloir que je vois pour éventuellement me le choper en ombre sur Mega Drive. Ça peut être un achat judicieux. Allez, exprimez-vous en com et on se retrouve prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.